À Dermir, l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses. Alexandria Hypatia, alchimiste en chef. Cet ancien solarium pour aristocrates convalescents a été reconverti en laboratoire de recherche alchimique. Le tueur de la couronne sème la mort en mon nom. Il faut l'arrêter. J'espère qu'Hypatia aura une explication à me fournir. À Cerconos, elle a la réputation d'être brillante et altruiste. Qui recommence l'entretien du relais. On va voir ? Non. À mon avis, ils veulent... Personne ne va se trouver ici. Le duc peut à tout moment envoyer quelqu'un furter ici. Étrange, cette obsession. J'en suis certain maintenant. J'ai vu quelque chose la nuit dernière. Et cette chose se déplaçait. Avant d'être affecté à Dermir, j'ai vu deux victimes du tueur de la couronne. La personne qui a massacré ce vieux couple a manifestement pris son pied. Alors qu'est-ce que c'est à ton avis ? Je sais pas. C'est revenu au petit matin. Il y avait des traces de sang sur les fenêtres. Je sais plus quoi penser. Le duc a peut-être trouvé une nouvelle espèce d'ours ou de singe sur le continent pandicien. Cette histoire me donne des insomnies. Alerte. Ah.
Non! Mes enfants ont besoin de moi! Laissez-moi partir! J'espère que c'est rien de grave. C'est peut-être rien du tout. Du tueur de la couronne. Le duc de Cerkonos. Merde. J'ai cru entendre des mouches de sang l'espace d'un instant. Docteur Hypatia ne donne plus de consultation.
outsider me porte chance. Portez. Elle a disparu et j'ai toujours pas compris comment elle s'y est prise. Je n'ai peut-être pas été assez clair. Caporal, si on vous pose la question, répondez que le docteur ne quitte jamais l'institut, sauf autorisation express du duc. C'est clair ? Je crois que j'ai compris, monsieur. Voir l'histoire se déformer à mesure qu'elle se perpétue, de bouche à oreille. Les mots mal ébauchés, mal compris, mal remémorés. Dans les années à venir, l'histoire du tueur de la couronne sera corrompue et fausse, déformée comme du métal. Pour
pour certains, ce sera un monstre qu'il a fallu abattre. Pour d'autres, la victime d'une trahison, épargnée. Car finalement, tu as pris un autre chemin. Mais tu n'oublieras pas la vérité, toi. Ta vérité, du moins. Chose d'inquiétant. Dès que j'ai fini, je fonce droit au pub.
va-t-il ? Il perd la boule. Ça fait des heures qu'il gueule n'importe quoi. On ne comprend vraiment rien de ce qu'il dit ? Si. Il prétend avoir été attaqué par un monstre en pleine nuit. La chose... Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Savoir quelque chose. Vous êtes Hamilton ? Pourquoi êtes-vous enfermé ? Vous savez quelque chose ? Je vous jure, je l'ai reconnu. Il portait un capuchon, mais j'ai aperçu ses yeux, remplis de haine, comme s'il n'y en avait pas assez dans ce monde. J'ai pas des visions. J'espère qu'ils m'ont pas volé mes notes. Je dois retourner dans ma chambre. Ils ont pris ma clé. Je pensais pouvoir. Je sais pas. Je suis qu'un imbécile. J'en ai marre d'être trempé.
De mouche. C'est un de mes patients. Désolée. Je devrais le savoir. Je suis là pour vous poser une question. Ce masque, c'est une maladie qu'il cache? Les pathologies qu'on traite ici sont plus répandues qu'on aimerait le croire. Je ne viens pas me faire soigner. Je recherche Anton Sokolov. Sokolov? Oui, il est resté un peu ici. Mais elle l'a emmené pour aller voir Kirin Jindosh. Vous entendez ça? Et le tueur de la couronne? C'est un de vos patients? Le tueur de la couronne? C'est un nom inventé par les journaux. Mais je peux pas... Ah, oui, les meurtres.
J'étais à Dunwall pour étudier les maladies qui touchent les chasseurs de baleines. Est-ce qu'on m'a appelé là? Ma mémoire me trompe. Le tueur de la couronne est un cas intéressant. Je suis presque sûre que je pourrais l'aider. Mais je faisais du bon travail et maintenant je perds la mémoire. Mais qui m'appelle? Excusez-moi. C'est le docteur Hypatia. C'est elle, le tueur de la couronne. Mais elle n'est plus elle-même. Elle a conçu un sérum pour aider les mineurs. La première version a horriblement perverti son esprit. Ah, pour moi, c'est trop tard. Mais vous, vous pouvez peut-être encore la sauver. C'est quelqu'un de bien. Que puis-je faire? Dans mon coffre, dans la salle des malades. Vous trouverez comment préparer l'antidote. Aidez-la. Oh, le code du coffre est 488. J'ai toujours rêvé de goûter votre chair. Espérons qu'il soit là.
c'est prêt. Chamille au teint pâle. Jeune, en pleine santé et bien nourrie, famille riche. Non, 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 je ne veux plus qu'on m'endorme. Je n'irai pas. De questions. Docteur Hypatia? Oui. Désolée, je me sens pas très bien. J'ai dû attraper quelque chose en manipulant des échantillons infectés. Non, vous avez été empoisonné. Mais ça devrait aller mieux. J'ai préparé un antidote à partir de notes que j'ai trouvées. Empoisonné ? Ça va aller. Je vais vous remettre d'aplomb. Si vous avez besoin de rester tranquille quelques jours, venez nous voir. Mon allié et moi avons un bateau, le Dreadful Whale. Que tout va mal depuis que le duc a succédé à son père. Elle pue cette chemise. Le Mirador est là. Putain, faut que j'aille pisser. J'espère que ma mutation sera complètement. Personne ne sait ce qui s'est passé. Ça pourrait être n'importe quoi. Faut que je surveille mes arrières.
fais profil bas en vous attendant. Ça y est, on peut partir. Je n'aime pas cet endroit. Quand vous voulez. Oui. Retournons au navire. Vous avez trouvé Sokolov ? Non. Mais c'est Hypatia, le tueur de la couronne. Quoi ? Je ne vous crois pas. Le duc s'est arrangé pour qu'elle s'injecte une version corrompue de son sérum, qui l'a métamorphosée. C'est grâce à l'antidote qu'elle est toujours en vie. Si elle se souvient des meurtres, ils pèseront sur sa conscience. Qu'en est-il de Sokolov ? On l'a confié à un certain Kirin Jindosh. Vous le connaissez ? Tout le monde le connaît. C'est l'inventeur en chef de Cerkonos. Alors c'est le suivant. J'espère qu'Anton va bien.